Ouais, sur la fin, en fait, c'est papa qui me découpe, hein. Si je tempo au mieux, il y a moyen, hein. On y retourne. Pas de potion, hein. Ah non. J'étais un peu gourmand là. Je craque. Je suis en train de craquer. Ouais, putain, j'ai skié tout le temps celui-là. Oh, ça craque sur la fin, c'est terrible. Il faut quand même avoir une chose sur le crâne. C'est quoi? Ça c'est bien visé ça, dis donc.
sauver ça. On sent bien. Oh non, la bombe, bordel. On va y arriver là quand même. Juste pas que je fasse le coup sur la fin. Que je me concentre. En fait, faut juste pas que je grille quand le papa il charge en physique. Ah putain, j'ai pas bien dosé. En fait, c'est ces flammes là quand elles chutent, merde. En fait, quand elle tombe du ciel, faut vraiment que je l'esquive parce que sinon ça me met vraiment dans la sauce quoi. Voilà. En fait, si elle m'enflamme, c'est la mort quoi. Oh putain, j'ai pas vu qu'il avait mis des bombes, l'enculé. C'est bien joué. C'était juste. Ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bon du tout. Quoi? Mais ça me touche jamais. Bim, ça dégage. Je suis quand même flippé hein, sur la fin. Hop, ma chérie, tu as réussi, tu nous as surpassé. Enfin, mais tu aurais peut-être pu y aller un peu plus mollo quand même. C'est un vrai exploit, apparemment le plus grand de tous. Nous sommes si contents pour toi. Ça a apparemment été facile. Je n'arrive toujours pas à croire que vous faites tous les deux partie de la Ligue des Gourmets. Bah, c'est beaucoup de choses, c'est normal que tu sois un peu perdu. La plupart des enfants ont du mal à imaginer que leurs parents ont une vie à eux. On fait plein de choses au cours de notre vie, Pomme, mais tu restes notre plus grande fierté. Moi aussi, je suis fier de moi, et vous m'avez manqué. Oh, Pomme chérie, tu nous as manqué aussi. Peut-être qu'un jour, nous prendrons le temps de te raconter toutes nos aventures. Ouais, ce serait super. On pourrait... Attendez une minute. Comment ça, un jour?
Oups, on dirait qu'il est l'heure pour nous de partir. A bientôt, Pam, souviens-toi que nous t'aimons très fort, ta mère et moi. Attendez, j'ai encore plein de questions à vous poser. Ah, ils sont déjà partis. Je veux dire que vous m'impressionnez. Vous, le palais de la patate, avez tout à fait mérité votre place au sein de la Ligue des Gourmets. Plus je vous dois des excuses. Merci, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez une si mauvaise opinion de moi. Vu de cette aventure, je manquais encore d'expérience et j'étais pas sûr de vouloir continuer à travailler au restaurant. Ces épreuves m'ont beaucoup appris et m'ont aidé à comprendre ce que je voulais vraiment. Et que je serais ravi d'entendre cela. Vous êtes promise à un bel avenir, Tom. Vous m'avoir donné une chance, je ne vous décevrai pas. Est-ce qu'on aura le droit à un petit générique de fin, là, quand même ? Pas du tout. Mais du coup, est-ce que c'est la fin du jeu ? Retourner au restaurant. Peut-être avoir une petite cinématique au restaurant. Pris des parents les plus irresponsables, on vient aux parents de Pomme. Bien joué à tous, félicitations. Félicitations Pomme, le palais de la patate fait maintenant partie des restaurants d'élite de la Ligue des Gourmets. J'ai du mal à croire, mais j'ai travaillé dur pour en arriver là et je suis contente de voir que j'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Tu te souviens du jour où tu es revenu à Paël, le restaurant vide, les dettes de tes parents, tout ça semble si lointain maintenant. J'ai raison, j'ai l'impression que ça remonte à des siècles. Un de mes parents, ils m'ont écrit une nouvelle carte postale. Notre petite Pomme ado. Nous manquons de mots pour te dire à quel point nous sommes fiers de tout ce que tu as accompli. La Ligue des Gourmets, tu as atteint des sommets que nous n'aurions jamais osé imaginer. Il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde que nous voudrions visiter, alors nous n'allons pas rentrer tout de suite. Nous sommes convaincus que tu sauras très bien prendre soin de toi et du restaurant. En tant que parents, c'est tout ce que nous avons toujours voulu pour toi. Ça dit, tu nous manques beaucoup, et nous passerons te voir dès que possible, et que notre amour, maman et papa. Chaque mes parents savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils m'ont laissé le restaurant. J'avais bien besoin d'un endroit où exprimer ton ambition et ta créativité. Et moi, j'avais besoin de revoir ma meilleure amie. J'ai l'impression d'être très différente de la personne que j'étais il y a pas si longtemps. Ce restaurant de la ruine a acquis une solide réputation de restauratrice et rejoint la Ligue des Gourmets. Rien que ça. Tu es incroyable, tu es devenue une vraie cuisinière professionnelle. Je suis si fier de toi. J'aurais pas pu faire tout ça sans toi, Biscotte. Mais gérer un restaurant, c'est un peu comme courir un marathon. Tu veux bien rester à mes côtés et m'aider à avancer. Bien sûr, qui d'autre pourrait t'aider à gérer ton restaurant de manière aussi efficace. Merci, mon ami. Faisons en sorte que le monde entier connaisse le palais de la patate.